Bonjour, bonsoir. N'ap salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'ap salue tout zami nou yo. Bonjour, bonsoir. N'ap salue tout zami nou yo. D'habitude qui branché avec ton anle ça. Il déjà fait 5h55. C'est dans le moment que n'ap monté pour nous brancher. Eh bien, pour nous al fait deuxième séance non pour journée. Hein? Donc nous content pour nous brancher avec Zami nou yo qui branche avec nous un peu partout pour la gloire de Dieu. Je dis à ce 6 octobre 2020 nous déjà gon séance matin déjà et nous content à soir pour nous brancher pour une deuxième séance, n'a pas avancé sérieusement. Matin, nous commençons avec le livre de Josué et nous avons brûlé 7 chapitres. Cela veut dire que nous allons commencer dans le chapitre 8. Donc, nous comptons, amis, nous avons commencé à monter sérieusement. Nous saluons Silayo qui suivent nous par Facebook, Silayo qui sur YouTube et nous saluons tous bien-aimés qui branchent avec nous directement par téléphone. Nous saluons Frère François. Nous saluons bien-aimé sœur nous, sœur Léonie depuis New York. On a salué tout sœur Saint-Martin, sœur Roselaine, on a salué pasteur Ricardo. Pasteur Ricardo, nous joignons l'information, donc on a fait le nécessaire. On salue sœur Sanon, sœur Suzanne Saint-Ville. Donc tous les amis qui sont montés, on a salué vous. Et on a content à soir, nous sur place. Et bien pour une deuxième séance pour la journée. Donc, c'est serviteur pasteur Mondésir depuis North Miami, Florida. C'est toujours un vrai plaisir pour nous connecter ensemble pour la gloire de Dieu. Donc, on n'a pas avancé sérieusement, pas oublié, dimanche si Dieu veut, nous pas avoir séance dans l'après-midi. À partir de lundi prochain, parce que nous avons gagné l'anniversaire de l'église côté nous avons dirigé, mais ce n'est pas que nous avons quitté l'heure vacant. Depuis 6 heures, nous avons commencé avec une grande conférence. Nous. Et nous sommes contents pour nous chaque, pour nous brancher. Et nous demandons nous pour nous download Zoom sur le téléphone nous, pour nous participer directement. Mais nous sommes capables de toujours utiliser le téléphone. Nous. Pour nous participer pour la gloire de Dieu. Et nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, et nous avons différents intervenants. Nous avons des serviteurs d'outre-mer, nous avons des qui local, ici aux États-Unis, nous avons des qui Canada, qui en Haïti. Donc, nous souhaitons passer deux bonnes semaines avec un bel sujet qui c'est. Le rôle de l'Église dans une communauté. Donc, chacun prédicateur a venu avec différents rôles que l'Église a joué dans la communauté. Et je pense que son sujet de débat, je me disais, mais nous tous, nous soulignons, pour nous faire débat sur ce sujet, ça, pour nous discuter bien, avec intervenants. Donc, préparez-nous, demandez-nous pour nous prendre la Bible. Donc, les guettants fait 5h59 minutes. Eh bien, nous allons commencer avec séance pour la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse nous toutes grâce à mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, salut les amis West Palm Beach, les amis Connecticut, les amis New York, Queens, Brooklyn, Spring Valley, les amis qui Orlando. Zami ki Haïti, sa ki Canada, son plaisir pour nous brancher avec vous pour la gloire de Dieu. Remen li, c'est quelque chose, c'est bien ça. Eh bien, bon Dieu bon, possibilité pour lui, que nous content le wap li ensemble avec nous. Que bon Dieu dans grâce infinie li, li continue béni ou. Donc, continuez fort grâce. Son bel bagage, vous appelez, et c'est pas n'importe qui vous appelez, et pas n'importe qui vous appelez, c'est la Bible qui c'est la parole de Dieu.
Donc, en nous content et en nous choisissant bien-aimé, en nous demandant notre bien-aimé frère François, s'il est disponible, s'il est dans nous, pour le prier pour nous commencer pour la gloire de Dieu. Frère François. Yes. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, au nom de Jésus, nous avançons devant Pierre, bénis-nous, Seigneur, pour nous réclamer présence, parce que sans présence, nous n'avons pas qu'à marcher, sans présence, nous n'avons pas qu'à travailler, sans présence, on n'est pas qu'à faire, Seigneur. C'est peut-être ça, nous avons réclamé présence, Seigneur. Nous remercions pour la journée qui est passée après lecture matin. Nous demandons au Seigneur pour assister nous encore, spécialement Pasteur Mon Désir avec Madame Lee, École Église Lee Seigneur, et tout frère qui est en route qui a couru pour y rentrer sous l'île, ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant, pour y arriver à temps et en bien. Fais-nous passer une bonne soirée. Fait que le Saint-Esprit parle avec nous à travers la lecture. Comme Pasteur a dit, ce n'est pas pour lire sans comprendre, mais c'est pour nous comprendre que c'est la parole de bon Dieu qui vient nous nourriture, qui vient toute bagaille. Bénis-nous, bénis tout l'autre qui est sur route, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions comme ça, ce n'est pas parce que nous bonne idée. Mais c'est au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon Dieu bénis-nous. Donc nous saluons All encore. participants are Bon unmuted. Dieu t'es là matin. Nous saluons. Mon qui monte, et c'est avec nos pattes là, mais nous montons matin. Nous saluons toutes. Que bon Dieu fait nous grâce. Donc, et n'a pas passé à mesdames pour la gloire de Dieu. Avec nous. Amen. N'a réitéré même annonce que nous t'ai fait matin pour aider Pasteur Mon Désir, tout le monde qui souligne. C'est que, ouais, si téléphone est sous mute, parce que malgré nous t'ai dit ça matin, nous t'étendons quelques téléphones qui passent sous mute, mon Dieu t'a parlé. Assez souvent, là, nous finissons, ça qu'on arrive tout. Nous finissons, mais nous oublions peser mute là. Chaque fois nous finissons, checker ouais si nous soumions, parce que ça l'a fait à son bagage de grande valeur et connaît que présence bon Dieu avec nous. Avant nous lire Josué 8, nous demandons que tout le monde capable de checker téléphone ouais si nous soumions, pour nous faire tout bagage bien pour la gloire de Dieu. Et les gens qui sont sur les ondes, dans les réseaux sociaux, car ouais que ça n'a fait à lui de grande valeur. Pas oublier tout livre là que Pasteur l'a écrit, lui a aidé nous pile pour nous comprendre ça n'a pas lié. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça, mais lorsqu'un livre là, ou à lire, ou comprendre ça, ou à lire au mieux, parce que il y a de recherches qui ont fait là dans des livres là, la BD ou que grâce mon Dieu a fait. Merci en pile, merci Sœur Dito. Eh bien, bien-aimé, bon Dieu bénis nous. Donc, on a commencé avec le premier chapitre, nous. Et on a demandé nous pour nous prendre Bible, nous. Nous pourrons commencer ensemble. Matin, nous avons commencé avec le livre de Josué. Et nous sommes arrivés dans le chapitre 7. Nous pourrons continuer avec le chapitre 8. Il y a 35 versets. Mais chaque bien-aimé, deux bien-aimés, chaque 15 versets, parce que mais tout le monde lit. Donc, il y a 35 versets, premier monde doit prendre 15 premiers versets, et puis deuxième, non, terminé pour nous. Qui est-ce qui a commencé pour nous? C'est Manika. Grand monde qui était avant ce Manika, grand monde qui parlait, c'est qui est-ce? C'est Rosette. Sœur Rosette a commencé pour nous jusqu'au verset 15 et Sœur Maniga a terminé pour nous. On a les bénis. Oui. Sœur
La paix bon Dieu avec nous. Amen. Et vous êtes Joseph, chapitre 8, on a commencé. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi. Monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les gens de guerre pour monter contre Haï et choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. Mais moi et tout le peuple qui est avec moi, nous nous approcherons de la ville. Et quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Et nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Car ils diront, ils fuient devant nous comme la première fois et nous fuirons devant eux. Vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit. C'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir et il allait se placer en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident d'Haï. Mais Josué passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Tous les gens de guerre qui étaient avec lui montèrent et s'approchèrent. Lorsqu'ils furent arrivés en face de la ville, ils campèrent au nord d'Haï, dont il était séparé par la vallée. Verset 12, Josué prit environ 5 000 hommes et les mit en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville. Le verset 13, après que tout le peuple eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'occident de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Le verset 14, lorsque le roi d'Haï vit cela, les gens d'Haï se levèrent en hâte de bon matin et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un lieu fixé du côté de la plaine, et il ne savait pas qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Le verset 15, Josué et tout Israël feignirent d'être battus devant eux. Et ils s'enfuirent par le chemin du désert, parole du Seigneur. Amen. Amen. Sœur Manika, continuez pour nous. Josué 8, verset 16. Alors, tout le peuple qui était dans la ville s'assembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et ils furent attirés loin de la ville. Il n'y eut dans Haï et dans Bethel, pas un homme qui ne sortit contre Israël. Il laissait la ville ouverte et poursuivit Israël. L'Éternel dit à Josué, étends vers Haï le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer en ton pouvoir.
Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Aussitôt qu'il eut étendu sa main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Verset 20. Les gens d'Aï, ayant regardé derrière eux, virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ceux qui le poursuivaient. Car Josué et tout Israël, voyant la ville prise par les hommes de l'embuscade et la fumée de la ville qui montait, se retournèrent et battirent les gens d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les gens d'Aï furent enveloppés par Israël de toutes parts. Israël les battit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Verset 23. Ils prirent vivant le roi d'Aï et l'amenèrent à Josué. Lorsque Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où ils l'avaient poursuivi, et qu'ils furent jusqu'au dernier passé au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Verset 25, il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Aï. Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que tous les habitants aient été dévoués par interdit. Seulement Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, selon l'ordre que l'Éternel avait prescrit à Josué. Josué brûla Aï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre à un bois le roi d'Aï et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois, on le jeta à l'entrée de la porte de la ville et l'on éleva sur lui un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Lecture des bénédictions et des malédictions, verset 30. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ebal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Verset 33. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ebal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Amen. Merci, Sœur Maniga. Alors, leçon qu'on a tiré dans le chapitre ça, c'est que j'ai noté dit matin, dans le combat spirituel, non seulement avec nous, mais c'est les mêmes qui ont nos stratégies, non seulement la nos âmes, mais il y a une stratégie comment pour nous remporter la victoire dans le combat que nous menons. Et pas oublier, la Bible a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser même des forteresses. Rappelez-nous que nous avons en bataille avec Haï déjà, et Mathieu m'a souligné, pour qui ça nous prend échec, nous avons perdu 36 hommes. Mais cette fois-ci, soumet à prescription l'Éternel bail et l'Éternel prend le bail stratégique. Premier bagage pour nous remarquer,
stratégie le te bail pour Jéricho, c'est pas li bail les a attaqué Aï. Jéricho s'était fait tout muraille là, tout de ville là pendant 7 fois. Dans à dernier jour, il fait 7 fois encore et puis yo crié fort au nom de l'Éternel, miraille de Jéricho tombé et miraille a tombé. Mais là il arrivé soi, c'est pas même stratégie le bail. Il dit premièrement on prend un groupe homme ou font embuscade. Et puis la prend deuxième groupe monde, yo pral attaquer ay. Depuis soldat villa yo sorti, premier groupe monde ça courir. Premier groupe yo te voye à l'attaquer ay, y a couru. Kon ya la ay a pensé que habitant ay a pensé que c'est paix ou paix etc. Y a couru derrière yo. Et bien deuxième groupe qui était dans embuscade là lui-même, laisse ay a pas envahi ville. Et bien comment mes stratégies l'Éternel bail. Ça veut dire dans combat nous yo. Parce que tout monde qui chrétien qui a voulu faire l'évangile ou entrer dans combat et son combat spirituel. Toujours comprendre que non seulement bon Dieu la promet ou la paver, mais c'est lui qui a bonne stratégie et c'est lui même qui a bonne âme pour qu'a remporter victoire dans combat qu'on a mené. On a passé maintenant au chapitre, laisse-moi voir le chapitre 9. Chapitre 9 là tout, moi les deux monde li, nous dit Jean plus bon, avait dit plus monde. D'ailleurs mon premier prend du verset 9, du verset 1 jusqu'au verset 15 et puis on l'autre monde finit à rester pour nous. Qui les monde? Premier c'est Mémé, qui est encore? C'est Jean-Louis. Sœur Jean-Louis, on a les sœurs Mémé, 15 premiers versets. Josué, chapitre 9, verset 1. Ruse des Gabaonites. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en dessin du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusque près du Liban, les Éthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens, les Torons et les Dacis jusqu'à Azeka et à Makeda. Verset 11. Quand il fuyait devant Israël. C'est Mémé. Verset 2. S'unir ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho à Aï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin de déchirer et recousir. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Verset 6. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux qui d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant, faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous?
Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils répondirent, tes serviteurs viennent de pays très éloignés, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et après dit, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bazan, qui était à Astaroth. Verset 1. À nos anciens et tous les habitants de notre pays, nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux, et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, et maintenant, faites alliance avec nous. Verset 12. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Verset 13. C'est août à 20 que nous avons rempli toute neuve. Les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés. Les hommes d'Israël prirent de leur vie provision et ils ne consultèrent point l'Éternel. Verset 15, pour finir, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimés sœurs, nous allons continuer pour nous avec le verset 16. Moun ki te opte pour le verset 16 là, s'il vous plaît, m'attendez-le. Le verset 16, c'était qui est, s'il vous plaît? Yeah, you can read in 2 minutes. Oui. En 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Kephira, Beeroth et Kila, Jéarim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons, nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront leur dire les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompé en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, ils dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en déduire devant vous tous les habitants et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici
entre tes mains. Traite-nous comme tu te trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Parole du Seigneur. Amen. M'obligez à pointer le sous chapitre ça pour m'attirer l'attention au soleil. Parce que chapitre ça a une grosse leçon spirituelle, moi-même, avec nous deux. Rappelez-nous nous-mêmes qui avons commencé avec le livre Josué matin. Nous avons le mot d'ordre de l'Éternel à Josué. Il dit Josué, pas de monde qui a campé devant. Il a limité le pays depuis côté a commencé. Il dit toute nation sa yo qui devant là la pavel et la capacité pour passer sous entrailles tout et l'Éternel rappelait c'est parce que péché moun sa arrivé à leur comble. Donc bon Dieu te voulait utiliser Israël comme ça nous relait élément de jugement contre ces nations. Mais l'Éternel te bal yon mot d'ordre. Pour réussir dans tout ça, on va pas entreprendre. Il dit mais ça m'a baou comme guide. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit médite-le matin, midi et soir, n'en détourne ni à gauche ni à droite. Et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. En d'autres termes, chaque décision que Josué apprend, les anciens d'Israël apprennent, ils doivent non seulement consulter le livre de la loi, mais deuxièmement, plus directement, parce que c'est serviteur de Dieu, eh bien, pour consulter l'Éternel. Eh bien, première erreur que Josué va le faire, eh bien, c'est ça qui passait dans le chapitre 9 là. Et bon point tire tunnel dans le verset 14 et 15 pour nous voir exactement. Faut tirer tourner avec dans verset 14. Pas oublier que you fin gain victoire sur Jéricho. You malgré tes erreurs à Haï, finalement you corriger, you gain victoire sur Haï. Maintenant, le Sansotia là, you était dans pleine Gilgal. Quand l'Éternel mandé pour le fond reposer, pour reprendre force, parce que c'est tout un ensemble de nations ou tout ensemble de communautés que vous pourrez affronter par la suite. Eh bien, c'est pendant que vous avez Gilgal, une délégation, et ça que chapitre la théologie au titre Ruse des Gabaonais, qui prend poste loin au sorti. Yo chiffonné tête yo mette virage chiré sur yo etc. Et puis là yo vini yo dit c'est avec les anciens d'Israël que yo besoin rencontrer. Et là yo relé anciens yo et bien anciens yo chita avec yo, yo dit que yo tendez parler de l'Éternel ça qui coupe la mer rouge en deux côté le fait Israël passer à pied sec. Et après ça, yo tendez, li fin fè Jéricho, li fin fè Haï. Yo dit qu'on ça son bon Dieu qu'on ça yo voulez servir. Donc, yo vini pour yo même avec peuple Israël pour yo font seul pour yo servir bon Dieu ça. Et gon bon protestant et qu'on ça fonctionner. Yo pas besoin tendez, yo pas connait chrétien, yo faut aller côté bon Dieu pour chercher volonté bon Dieu. Depuis mon n'a venir le bluffer, si tout si mon n'a manifesté, mon n'a fait bruit, yo quoi nan bruit, yo quoi nan voler, yo quoi nan bagarre impressionnant, etc. Yo pas besoin prendre petit temps pour aller dans la prière, pour aller dans le jeûne, pour consulter au moins gain consulter parole là, garder sa parole bon Dieu dit pour ouais, si ça normal. Eh bien, regardez, verset 14 pour nous. Les hommes d'Israël prirent de leur provision et ils ne consultèrent point l'Éternel. Verset 15 dit,
Josué fit la paix avec eux. Qui doit Josué? Alors que mon Dieu, bon mot d'ordre. Yon moun qui est ennemi, bon Dieu, li pa kazan mi ou? Ou moun ki pa reme, bon Dieu, pa ka reme l? Sou fè sa, se nan, mes amis, gade téléphone, se galiot kap fè bruit kon sa, se galiot m'oblije mi ou tout. Le téléphone wak ap voye boulet kon sa. Ou moun ne pa reme, bon Dieu, pa vle, ouais, bon Dieu, pa vle, ouais, travail, bon Dieu. Bon Dieu déclare, se ennemi li, comment vous le faites en mi ou même? Alors plus royaliste que le roi. Mais Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et alors que ce n'est pas ça l'Éternel. L'Éternel te dit détruire, laisser la paix ou la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Ils ont sémenté. Eh bien, c'est trois jours après, vous pouvez se tromper, vous avez trompé. Vous avez dit que vous êtes sorti loin, vous n'êtes pas sorti loin, vrai. C'est tout prêt, vous êtes sorti, c'est décoré, décoré. Valen, non, nous qui prenons un ruse déjà. Moun qui décoré tête, vous avez Bible, chant d'espérance, vous avez manifesté. Vous avez mangé tout nous. Vous avez mangé tout nous. Vous avez fait nous crier. Y a pran mari nou, y a pran madame nou, y a pran petit nou. Parce que faut apprendre konnen. C'est serviteur bon Dieu, servante bon Dieu, nous doit aller devant bon Dieu. Là nous l'on bagaille situation présentée, al devant bon Dieu, al nan jeûne, al nan la prière, mande conseil, consulte parole bon Dieu pour eux. Josué c'est premier ouais. Et premier ouais, Israël et Josué pral faire. Josué pral signer alliance avec les Gabaonites. Sans consulter l'Éternel. Amen. Alors que l'Éternel te dit, on a réussi, mais il faut suivre ça qui est écrit. Ça veut dire faut consulter toute décision que nous prenons. À marier, mon avis, une douleur, mais si c'est l'autre bord, ou à marier et pour ne pas consulter l'Éternel. Depuis qu'il est, mon dirait même comme ça. L'irait même parce qu'on en santé, parce qu'on travaille, parce qu'on sont belles, ou qu'on a belle petite course, si c'est l'autre bord. Et bon Dieu, crée mes mounes. Pas faire parler, non, parce que c'est lecture à faire et pas prêcher, n'a prêché. Eh bien, nous connaissons ce qui passe, m'a conclu. Vous connaissons ce qui passe là? Bagay sa pral traîner Israël de génération à génération, grain erreur ça, que Josué fait. Parce que les que vous venez découvrir après trois jours, c'est bluffé, monsieur vexé à mort, il prend zam pour frapper Gabaonitio. Et puis l'Éternel dit non, pas qu'à frapper yo. Non. Là nous tapons alliance avec au côté de ça que nous pas consulter. Nous sommes Dieu de justice. Nous sémenter, nous si alliance avec yo, kounya pour nous voulez détruire. Non. L'Éternel dit pas passer ton bagage comme ça fait. Nous mettons les gens nous voulons, mais nous te signé, nous te baillons mon nom. Nous te disons, nous baillons la vie. Quand il y a mon pogongo qui m'a rien encore Israël, par contre, ça pour le faire. Finalement, Josué dit comme ça, m'a maudit nous, nous ne pouvons rien en vie nous. C'est pour nous rester avec nous toute vie nous. Couper bois pour nous, nous avons besoin de nous. Yo dit, Josué, il n'y a pas besoin plus que ça parce que c'est tu et mourir, tu n'as pas le mourir. Donc, yo même va gagner pour perdre. N'importe ça, yo joigne à prendre. Et bye bye pour nous rire, non? C'est triste. Parce que nous, même qui dans l'évangile, nous toujours proposons et nous pas contre ça que nous menons. Ça nous gagne, nous pas contre l'importance. Li. Et tandis que l'autre monde n'a pas gagné bon Dieu, yo pas gagné pour perdre, non, yo même. De pour aller entrer en bas, moun sa, c'est ou cap victime, oui? C'est un cas perdu quand même. Et on a perdu sans pas de penser, on a perdu. Eh bien, bagay ça pral fait des années. Quand y a la main, on vient arriver au moment où on pral en exil, on oblige à aller avec eux. On oblige à aller avec eux. D'ailleurs, même pas de problème, même on fait caillou, bois, bois de l'eau, les abotés de l'eau,
pour ba la petit plus facile pour yo. Yo fait rester avec yo. Yo fait rester avec job rester avec yo sans problème. Yo pral en exil, yo passé 70 ans. Yo passé 70 ans tout en exil. D'ailleurs yo même yo pa gen terre. Yo pa gen terre non? Terre c'est pour les enfants d'Israël. Mais qui est-ce qui travaille terre? C'est eux même parce qu'on maudit yo pour travailler terre. Puis bon manger gen dans terre, c'est eux qui manger le. Léo retourné après 70 ans, il retourné avec le peuple d'Israël et sorti en exil. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence. Léo retourné, sorti en exil. Il vient retourner, qu'on y a venu à construire un temple pour l'Éternel. Mais c'est des autres, ça. Où mon pas qu'à son lit, il a parlé comme ça. Oui, mais pour me bloquer, il faut te monter. C'est l'aile montée à Mkawel. Tout est la palée à Mkawel. De ce qu'on y a mjouenni. S'il pas monte, il ne peut pas bloquer. Eh bien, ok. M'bloquer, il n'y a pas de problème. Maintenant, bien aimé, qui ça m'vle faire nous? Ouais, m'a conclu. M'ti jan long, mais ça est important pour nous. Des années plus tard, là, yon retourne en exil. Yon vina construit temple. Yon cherche moun ki ka. Qui travaille bois bien parce que son architecture, bagay antique que vous besoin faire. Qui est-ce que vous rejoignez? Ce sont les Gabaonites. Parce que c'est eux qui étaient maudits pour couper bois. C'est eux qui travaillent bois bien. Alors on imagine où vous avez construit le temple, vous avez participé dans le temple de l'Éternel pour l'Éternel pas béni. Bénédiction, ça, c'est pour Israël. Mais comme Israël perdit le rôle, il a l'entrée en bas, et bien vous saisissez bénédiction. Et même cette époque, roi Saül vient prendre pouvoir. Parce que Israël toujours raï à cause de comportement qui a gagné depuis sous Josué. Le rivé, non moment, Saül venge, il tue un paquet là-dedans. L'Éternel a une famine sous pays. Et le David vient prendre pouvoir. David a contre l'Éternel. L'Éternel dit parce que nous faisons Gabaonite une injustice. Par grand-parent nous yo Josué il était signé alliance avec yo nous pas gagne droit tuer yo et l'Éternel yo mandé l'Éternel qui ça pour nous faire pour résoudre problème famille l'Éternel disait côte Gabaonite yo pour nous demander yo ça yo vle et ça yo vle a fò nous bayol moi même pour m'enlever famine dans ce pays et l'Éternel il est à côté Gabaonite yo dit comme ça yo même yo pas besoin rien c'est pas l'argent au besoin nous prend li ça puis devant. Mais pas l'argent nous besoin. Ou comme ça, ou comme problème nous, c'est que pas respecter nous dans le pays. Yo viole droit nous. C'est toute petite Saül pour mener là-bas nous. Pour yo pogne, même je te fais nous injustice. Et là, contre l'Éternel, l'Éternel dit sort et mandé, c'est ça pour nous bayo. Et yo pogne petite Saül, et ça fait Saül pral mourir presque toute famille Saül éliminée. Jouer dans l'évangile. Le bon Dieu fort grâce. Jouez à grâce, bon Dieu, banouan, pour nous connaître par nos capes. Que bon Dieu bénisse nous. Mon petit Jean Long, même t'es obligé de faire parler avec nous. Parce que l'évangile, la grande discipline, nous demande des poutines. Bon Dieu bénisse nous. Chapitre 10, c'est qui est, s'il vous plaît? Bon, moi, chapitre 10, là, avant de commencer. Chapitre 10, là, les gagnants ont besoin de deux mondes. Chaque monde apprend. M'a besoin au monde qui pour arriver dans le verset 20. Au premier monde prend 20 et puis deuxième monde a fini pour nous s'il vous plaît. C'est qui est-ce qui a commencé? C'est Joanie. C'est Joanie jusqu'au verset 20. Qui est le deuxième monde? Frédéric. Frère qui est? Frédéric. Frédéric, OK, on a les frères c'est Joanie. Josué chapitre 10. Grande bataille près de Gabaon, conquête dans le midi. Adonaï Sédèque, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi.
et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni, Sédèque, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon. Montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Josué 9, verset 5. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis et le roi d'Églon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon voyaient dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Verset 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux. Après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal, l'Éternel les mit en déroute devant Israël. Muted. Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Unmuted. Poursuivi sur le chemin qui monte. Sur le chemin. Oh, one minute. Sur le chemin qui monte Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, alléluia, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Verset 14. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Verset 16. Les sept rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, les sept rois se trouvèrent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y les hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite, et les eurent complètement battus.
ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Parole du Seigneur. Bon Dieu bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Frédéric. Et tout le peuple revient tranquillement envers Josué à Kéda, sans que personne n'y aura sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, et en sortir les cinq fois, et amenez-le moi. Et il fit ainsi, et lui amenèrent les cinq fois qu'il avait fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jamin, le roi de Lachish, le roi Elgon. Lorsqu'il est amené ce roi devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coudes de ce roi. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coudes. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel fera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les rendit à cinq âmes et ils restèrent rendus aux âmes jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît de table, les jeta dans la caverne où il était caché. Et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui l'ont demeuré jusqu'à ce jour. Josué prit Makeda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée. Et il devoir par l'interdit, le roi, la ville de tous ceux qui s'y trouvaient, il ne laissa échapper aucun. Et il traita le roi de Makeda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui, passa de Makeda à Libna, et attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée. Tout ce qui se trouvait ne laissa échapper aucun. Et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa le Libna à Makeda. Il commença devant elle et il attaqua. L'Éternel livra la crise entre les mains d'Israël qu'il a pris le second jour. Et la frappa du tranchant de l'épée et tous ceux qui se trouvèrent comme il avait traité Libna. Alors, Oram, roi du désert, monta pour secourir la crise. Josué les partit, lui et son père, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa l'église de grand. Il campait devant elle et il attaqua. Il a pris le même jour, il a frappé du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui y trouvaient, Josué la dévora par interdit le jour même, comme il avait traité la vie. Josué et tout Israël avec lui monta Eglon à Hébron, et il l'attaqua, et il l'a pris et frappé du tranchant de l'épée. Et elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tout ce qui se trouvait, Josué n'en laissait échapper aucun. Comme il avait fait à Eglon, il a devoir par interdit avec tout ce qui se trouvait. Josué et tout Israël avec lui se dirigea du débit et il attaqua. Il a pris elle son roi et toutes les villes qu'il a défendues. Il les frappait du tranchant de l'épée et il les dévorait. Interdit tout ce qu'ils trouvèrent sans en laisser échapper aucun. Josué traita et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi.
Josué bâtit tous les pays, la montagne, les vidis, l'herbe, les faux. Il a bâti tous les rois. Il n'a échappé personne et il dit, interdit tout ce qu'il respirait comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadesh à Néa, à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gaza jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et les pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. 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 Alors, d'arrêt, maintenant, tirer premier. Le combat Josué, non? C'est parce que à l'entrée en Gabaonite, c'est combat Gabaonite, Josué pour obliger mener pour Gabaonite, parce que c'est si alliance. Ou est monde ou pas contre monde, que des fois, mon nom, la gage, dans toute bagage diable, ou à l'entrée en balle, qu'on y a là, ou même ou déjà, ça a un problème pour contre pas, qu'on y a à l'entrée en bon monde qui lui-même. C'est pas ou même ou gon ou gen dengen doit dire pas ni problème li même son bâtiment problème ou al prend tête ou entre en balle et ben ou a souffrir mon ami ou a souffrir et on a terminé avec le chapitre 11 qui est s'il vous plaît Pasteur Ricardo Pasteur Ricardo chapitre 11 Parce que nous attendons, non? Parce que Ricardo nous attendons. Ok. Grande bataille près des eaux de Mérom, conquête dans le nord et dans le reste du pays. Jabin, roi de Hathor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Chimouan, au roi d'Achap, au roi qui était au nord dans, le monta- dans la montagne, alléluia. Dans la plaine de Kenret. Le roi de Arma, le roi d'Arad, hein, le roi de Lidna, hein, le roi d'Adulam, hein, verset 16, le roi de Magda. Et pasteur. Pasteur Ricardo. Pasteur Ricardo. Ou gen lè votre même petit problème, se a te gen talè a ou, ou saute plusieurs versets là, parce que m'koye na verset 2 pour taille. Verset 2, verset 2. Oui. Oh, verset 2, ok. Dans la vallée et sur les hauteurs, non. Dans le nord, à l'autre. Non. Au roi qui était au nord. Josué 11, Josué chapitre 11, pasteur 4. Recommencez-vous, non. Josué chapitre 11. Amen. Je ne suis pas clair. Josué chapitre 11. Dit que Jabin, roi de Hathor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jabad, roi de Madon, au roi de Chimron, au roi d'Akshav, au roi qui était au nord dans, le, dans la montagne. Dans la plaine au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Éthiens, aux Phéréthiens, aux Jébusiens dans la montagne et aux Éthiens au pied de l'Hermon. Dans le pays de Mitzpah. Verset 4. Ils sortirent eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable.
part en très grande quantité. Tous ces rois fixaient un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Et Israël dit à Josué, je vais l'être point, car demain à ce moment-ci, je les livrerai tous là et devant Israël. Tu couvriras déjà les arêtes à leurs chevaux et tu brûleras au feu leur chasse. Josué, avec un question de guerre, arriva subitement sur deux brèves. Muted. Unmuted. Avec leur fils. Il ne resta point d'Anakim.
il n'y en resta qu'à Gaza, à Gaza et à Asdod. Verset 23, Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Puis, le pays fut en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Merci, pasteur. Nous, je ne crois pas que je vais l'ajouter en rien. Lorsqu'on lit le passage, ça a tiré des sources spirituelles. Ou pas capable pour que ça pour prier bon Dieu. On nous lève voile ensemble, il fait exactement 7 heures 1 minute avant nous séparer à nous prier ensemble. Toi tu le fils. Dieu toi saint et l'Éternel des armées. All participants are unmuted. Nous avons besoin de nous faire nous comprendre. Nous avons besoin de nous faire nous comprendre. Mais seulement nous besoin pour le
sacrée dans le cœur pour laver nous au nom de Jésus qui vit et qui règne. Amen. All participants are muted and they can unmute themselves. Eh bien, mais bien aimé, pas quoi que l'autre souhait pour me faire noir soya, sinon que nous reposer, nous dormir bien à soya. Après que nous finissons de déjeuner le matin, la parole de Dieu, nous finissons par asseoir nous souper ensemble, eh bien, m'a dit nous pour nous passer une bonne nuit dans la présence Seigneur. Pas oublier demain si Dieu veut, nous n'avons pas un moment de prière, nous avons commencé exactement à 11h. Donc, m'a demandé de nous faire effort pour nous là à l'heure, parce que nous commençons à l'heure, à moins que nous ayons des problèmes techniques. Et ensuite, pas oublier de préparer nous la semaine prochaine. Eh bien, nous avons gagné 2 semaines de conférences dans l'après-midi. Nous avons toujours fonctionné, mais dans l'autre niveau, côté que nous avons une possibilité pour nous participer dans des débats par le fait sur un bel sujet, ça, qui c'est le rôle de l'Église dans la communauté. Donc, commencez à préparer les questions, mettez Zoom sur téléphone nous pour nous monter. Ou bien utiliser le numéro de téléphone pour nous passer 2 bonnes semaines dans la présence du Seigneur. Mais nous avons toujours travaillé dans le matin, et ça veut dire que nous avons toujours une séance au fait dans le matin, et nous avons toujours un moment de prière, une séance surtout. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu fasse nous grâce, passons une bonne soirée dans la présence du Seigneur, et nous allons demain matin si Dieu veut. C'était serviteur, pasteur Mon Désir, depuis North Miami, Florida. Bon Dieu bénisse nous et bonne nuit. Bon Dieu béni nous tous. Bon Dieu béni nous passons bonne nuit. Amen. Oui. Bonne nuit. Bon Dieu bénis-nous, bon Dieu bénis-nous, bon Dieu et sanctifiez-nous, passez bonne nuit. C'est des frères, bye bye. Amen, bon Dieu bénis-nous, âme de la Bible, bon Dieu bénis-nous, abondamment. Amen. Bonne nuit, sœur Joanie. Amen, amen, amen.